était en train de jouer à la play. Là, il sait pas ce qui va lui arriver, toucher le marteau. Hein. Mais là, c'est pour lui faire comprendre que fallait pas casser mon téléphone. Je suis pas sûr qu'elle marche encore là. Internet, c'est Kamoff. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je tenais à vous dire avant que la vidéo commence que moi, à la base, je ne suis pas du tout foot, je ne suis pas du tout rugby, ni tennis, ni quoi que ce soit. Mais une personne a réussi à me faire aimer le football. Et cette personne s'appelle Boy Pro. Comment a-t-il réussi à me convaincre? Tout simplement en me faisant faire des paris sur des matchs de rugby, de tennis et de football. Alors au début, je regardais même pas les matchs. Mais à la fin, j'y ai pris goût. Pourquoi? Parce que j'ai gagné de l'argent avec Boy Pro. Et à force de gagner de l'argent, je vous jure que c'est vrai, je regardais les matchs même dans leur intégralité. Pour vous dire la vérité, j'ai même regardé des matchs en ligue féminine. Tout ça pour vous dire que vous pouvez rajouter Boy Pro à tout instant sur Snapchat. Il est réactif aux messages, il fait de bons pronostics. Et en plus, il est vraiment, vraiment, vraiment très sûr avec un taux de réussite magique en ce moment. Vraiment, c'est le top du top. Les amis, venons-en au but de la vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale. Plusieurs personnes nous ont contactés sur Facebook pour nous dire que des ambulanciers maltraitaient les personnes avec qui ils travaillaient. Que ce soit des personnes âgées ou des personnes handicapées, bien entendu. Voulant voir si les faits étaient vrais ou pas, nous avons pris contact avec les ambulanciers, nous leur avons donné rendez-vous. Je me suis fait passer pour une personne âgée et vulnérable, j'ai tout filmé, vous allez voir leur réaction. Accrochez-vous, j'espère que vous êtes assis, parce que c'est vraiment quelque chose de dingue. On se retrouve à la fin pour une conclusion, et restez jusqu'à la fin, parce qu'il va falloir voter. Je vous en dis pas plus, bonne vidéo, et à tout à l'heure. Ciao. Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de toute l'équipe comme d'habitude. Il y a Soso ici qui est en train de manger son tiramisu. Vous pouvez le rajouter sur Snapchat, c'est gratuit. Et en plus il fait des méchantes vidéos sur Snapchat. Voilà, il y a des vidéos attention. Donc rajoutez-le, vous allez délirer. Rajoutez aussi le poteau Steven comme d'habitude sur Insta, il s'affiche à l'écran. Il y a le poteau Fafouné, il y a son Snap qui s'affiche et sa chaîne YouTube juste en bas, tel père tel fils, il y a une nouvelle vidéo qui est sortie d'ailleurs. Il y a aussi le frangin qui est ici, Eddy, rajoutez-le sur Insta. Et le frangin, aujourd'hui, il ne veut pas faire de publicité. Pas de pub. Aujourd'hui, on va appeler une ambulance, mais pas n'importe quelle ambulance. Une ambulance qui est réputée pour maltraiter les personnes âgées. Et c'est une personne qui nous a envoyé leur numéro pour qu'on puisse les tester et voir si les faits sont réels. Donc je vais mettre un masque de personnes âgées que vous connaissez. Je vais mettre sur la chaise roulante là où il y a bâtard actuellement. Et ils doivent venir me chercher d'ici 1h30 à peu près. Une fois dans l'ambulance, je vais leur faire croire que j'ai pas d'argent pour payer et que ma mutuelle est pas bonne et qu'elle ne marche plus pour voir leur réaction et voir s'ils m'amènent quand même là où je dois aller ou si ben, ils décident de faire les chiens et de me ramener ou de me voler quelque chose après. On sait pas. Voilà, donc c'est parti, on se prépare et on les avance. Bon les gars, là on est prêt, dans un quart d'heure ils doivent arriver, donc je vais mettre sur la chaise roulante, tout le monde va sortir, ils vont fumer de l'extérieur et moi je vais les attendre ici. Eux non? Je crois que c'est eux les gars. Ambulancier? Oui, c'est nous. Tu prends l'avant? Passe-moi l'avant. Non, je sais pas ce qu'on a déjà demandé. Ça fait bon, on va essayer de passer. C'est quoi ce tapon? En fait, c'est la porte de mon fils, c'est pour ça. Ah, c'est bien. Ouais, t'as rien à faire, mais tranquille. Allez, ça passe là. Attention les escaliers monsieur.
Bon, vous inquiétez pas. Ouais, ça passe tranquille. Ça va passer. Est-ce qu'elle est de passée? T'inquiète, t'inquiète, le jeu, ça passe. Allez, se met. J'ai pas de une jambe. C'est bon, allez. Un petit effort quand même. Allez, papy, allez. Voilà. T'es le seul ou quoi? Bien installé. Tiens, froid, tu vas le construire devant. Ouais. Vas-y. Salut, une cigarette là? Ouais. Monsieur, c'est interdit de fumer là! Non, t'inquiète, pas, on est pas à l'hôpital, je sais pas chez toi, tranquille, qu'est-ce qu'on fait? Franchement, en gros, je voulais pas être vieux, hein. Le temps il a pas loupé! Hein. Oh mon gars, est-ce que tu as pris? Jeune, moi j'ai fait la guerre! Je suis handicapé maintenant! À cause d'une maladie à la con! C'est moi, descendant, hein! Il a dit le collège. On s'est bien fait ch*** l'escalier. Pourquoi fait ch***? L'escalier pour vous descendre. Si vous faites autre point un peu. Eh oui, je sais monsieur, après... je suis désolé si vous aimez pas votre métier, faut pas en faire. Hein. Monsieur, la cigarette, l'odeur, elle me gêne, s'il vous plaît. Oh, rends pas fou. Vous pouvez ouvrir la fenêtre, s'il vous plaît. Oh, je vais lui envoyer le masque, il va pas se réveiller. Pourquoi il a pas ouvert la fenêtre, le collègue? C'est bon, c'est bon. La mutuelle est à jour. La mutuelle? Oui. Bien sûr qu'elle est à jour, monsieur. Je comprends pas ce qu'il dit, j'entends pas, je suis sourd. Monsieur, vous pouvez parler un peu plus fort? Ça a été remboursé que partiellement. Il vend 32 euros, c'est pas là? Faut le sous-notant aussi? La différence. La différence de quoi? Oui, des sous, du liquide, de quoi compliqué. La mutuelle, c'est quoi le problème? Elle a pas tout remboursé. Eh, oh, il va marcher, lui. On va le traîner à l'arrière. Hein. J'ai laissé l'argent à la maison. Ouais, 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 si vous voulez, je vais vous donner l'argent quand on rentre à la maison. Allez, ouais, avec les si on refait le monde, allez. Bon, gros, dès qu'on arrive vers la poste, je t'arrête, on le lâche, je te le dis. Tu as l'air fou depuis tout à l'heure. Comment ça, vous allez me lâcher? Ouais. Chut. Allez. Bon, laisse-le au cimetière, tu veux pas? Bon, allez, envoie ton plus gros frère, on le fait descendre. Allez, mon chauve. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur. Ah, c'est des fils de frère. Non. Ah, c'est des fils de Tu es d'accord avec moi? Je t'ai appelé, frérot, j'ai pas la mutuelle, je suis pas malade, j'ai rien, donc c'est pas pris en compte, de toute façon, je te dis. Et en fait, quand lui il a vu, il s'est rendu compte sur le tableau, sur son truc, le truc qui était pas pris en compte, il se passe quoi? Il me dit, ouais, la mutuelle elle a pas payé. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai dit, bah c'est pas grave, il me dit, vous avez les sous sur vous? J'ai dit, non, j'ai pas les sous. J'ai dit, je paierai quand, si vous me ramenez, je paye après, tu vois, quand vous me ramenez. Et il me dit quoi? Il me dit non, c'est bon, nous, y a pas de je sais pas quoi, tu as pas payé, on te laisse là. Et il m'a laissé là. Ils n'ont pas fait de violence ou quoi? Non, rien. Oui, ils ont sorti hardcore. Ouais, t'en sorti fou. Ils savent pas, gros. C'est ça, 72 ans, ils savent pas. C'était pas tranquille, non? Froid et tout, frère. Non, gros, ils avaient pas envie de travailler. Ouais, gros, ils avaient pas envie de travailler. Ah, bah là, on va. Qu'est-ce qu'on fait, gros? Faut les rattraper. Tu veux les rattraper comment? Faut les rattraper. Le mieux c'est que j'attends quelques jours pour les rappels. Alors là, et si on se passait pour autant encore une autre? C'est ça. Bon les gars, avec toute l'équipe, on s'est réunis, on a discuté hors caméra et on s'est dit que c'était grave de laisser ce genre d'action impunie. Donc, on s'est dit, pourquoi pas attendre quelques jours, les rappeler, leur donner rendez-vous ici, en leur faisant croire justement qu'on va les payer pour les dédommager des allers-retours qu'ils ont fait.
Et quand ils vont rentrer, on fermera la porte et on appellera le responsable pour lui dire de venir en urgence et de régler ce problème. Le truc, c'est que je sais qu'il y a des gens qui diront « Oui, c'est pas bien parce que vous allez enlever le pain de la bouche à des gens qui travaillent. » Et il y en a qui me diront « Oui, il faut les balancer. » Donc c'est simple, les amis, c'est à vous de décider. Rendez-vous sur notre page Instagram maintenant. Il y a un petit post, vous votez oui ou non dans les commentaires. S'il y a plus de oui, on leur donnera rendez-vous, ils viendront ici et on réglera le problème en face avec la caméra. Si vous dites non, on ne sortira pas de deuxième vidéo et on les laissera impunis. Voilà. Rendez-vous sur Instagram pour voter. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à la fin chez moi pour une petite conclusion. Ciao. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Le message que je veux faire passer est le suivant. Si vous avez des personnes handicapées dans votre entourage, si vous avez des personnes âgées qui sont obligées de prendre des ambulances, faites attention à qui vous laissez vos proches. Ce qui s'est passé là est très grave. N'oubliez pas d'aller voter sur Instagram si vous voulez qu'on appelle le patron, si vous voulez qu'on les dénonce ces personnes, parce que pour moi elles méritent d'être dénoncées. N'hésitez pas à aller sur Instagram, à le mettre en commentaire. Et bien sûr qu'on tournera une prochaine partie si vraiment vous voulez qu'on les balance. Les conseils que je peux vous donner, c'est dans les premiers temps, si vous devez prendre des ambulances, toujours accompagner la personne au tout début avec les ambulances. Pour conclure cette vidéo, je vais vous dire bien entendu que si vous voulez acheter notre marque de vêtements, si vous voulez porter nos casquettes, nos shorts, nos pulls, nos porte-clés, il faut vous rendre sur www.futuratech.com. C'est le seul site où il y a des vêtements camouflés. Je vous fais de grosses bises. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Faites attention à vous et à bientôt. Ciao.